Roland Tanguy. Je suis associé avec mon frère Alain. On est en production laitière biologique. Nous produisons le lait issu de 100 vaches laitières sur à peu près 140 hectares. Nous produisons du lait majoritairement à l'herbe, en grande partie du pâturage, et nous faisons également de l'affouragement en verre. L'exploitation dispose d'une bonne surface d'herbe autour du bâtiment des vaches laitières. Donc c'est de l'herbe fraîche qui sera consommée dans les 12 à 24 heures. L'alimentation à base d'herbe leur donne comme un gage de santé. Nous avons une salle de traite de 2 x 8, c'est-à-dire qui traite 16 vaches simultanément. On produit un lait bio. C'était un souhait de nous, de la famille, qu'on pouvait faire autrement, beaucoup mieux, que ça soit porteur pour l'avenir, que ça puisse justement créer aussi de l'emploi. Nous livrons notre lait à l'entreprise SIL, notamment sur le site de Quimper, à la laiterie Le Gall. À l'arrivée à la laiterie, donc chaque citerne va être analysée par notre personnel. Donc différents contrôles vont être réalisés. Tout d'abord, un contrôle de la température pour être sûr que le lait a été conservé à une bonne température pendant le transport. Ensuite, l'acidité pour s'assurer de la fraîcheur du lait. Et également, avant tout dépotage, un contrôle des antibiotiques. La laiterie Le Gall, qui est bientôt centenaire, est représentative d'un savoir-faire reconnu et inégalé. Nous faisons des produits traditionnels et authentiques. Elle est garante d'un process de fabrication traditionnel, le beurre de baratte, 100% naturel, sans colorant, sans conservateur. De la crème, ce sont des pâtissiers qui recherchent un produit d'exception. Il n'y a pas d'autre équivalent sur le marché. C'est un produit spécifique avec une recette spécifique, extraordinaire pour faire de la chantilly notamment. Pour nous, c'était important de connaître la destinée de notre lait. On sait où il va, on sait le sérieux des produits. En plus, il y a de la proximité, donc c'est parfait.